Salut à tous les amis, ici Fantu te fait agresser par un petit nain complètement méchant. Et je suis en compagnie du grand, du magnifique Bob Lennon. Salut, putain. Waouh, effectivement, j'allais faire bonsoir, je suis Bob Lennon. Ah, mais bien réveillé, j'ai difficilement vu la distance à laquelle tu as propulsé ce nain. Fanta, est-ce que ça va, Fanta? Rendez-moi le Fanta, celui qui était tout maigrichon, qui était tout chauve, qui était formidable, et pas celui qui débordait de muscles. En tout cas, bonsoir et bienvenue à tous pour un nouvel épisode de The Quest. Ici, nous étions dans la forteresse du crâne. La dernière fois, nous avions pénétré et il fallait explorer plus avant. Et oula, t'as déclenché des pièges, regarde, plein de nabos sur les côtés. Ah merde! T'as vu? Non, je vois rien. Bah, ils sont dans les trous, il faut les massacrer là en fait. Ah d'accord. Tiens? Intéressant. C'est des pièges. Attends, on est content de vous retrouver les amis pour la suite de The Quest. Je reprends un petit peu d'énergie. J'ai vu que j'étais quasiment à poil. Et en fait, il y a un super knockback sur cette épée, l'Undersword. Ah, c'est vrai que qui propulse ses ennemis à 12 km, knockback 6. Pour le coup, c'est vrai que c'est impressionnant. Hop, j'ai rencontré un nabo level 7. En fait, j'ai l'impression que c'est la forteresse des nabos ici. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça m'a l'air assez clair en fait. Oh oh, un spawn de creeper, je vais le détruire. Je vais laisser le spawn de nabo, mais le spawn de... Oh putain, j'ai trouvé du loot. Ok, donc on avait enchaîné directement les donjons, puisque je vois que j'ai encore mon inventaire full de la dernière fois. Tout à fait. Et c'est complètement pas grave, puisque nous on continue. Sympa hein, cette forteresse, on va descendre dans l'ordre maléfique. Exactement, je suis en train effectivement de moi aussi poser tout le merdier qui se trouvait dans les poches. Là ça pourrait servir, moi, des arbres. Moi j'ai le jeu qui de temps en temps freeze, je comprends pas pourquoi. Ah, est-ce que tu as la maladie du... Du lag. La fameuse maladie du lag. Voilà. Pour que Fanta sache à quoi ça ressemble un peu. The Diving Bell. Protection 5, respiration 3, Aquafinity. C'est quoi? C'est un livre enchanté? C'est un... Comment je fais pour utiliser ça? Oh putain! Je ne sais pas, mon cher Fanta. J'ai vu un vilain méchant. Attends, t'as peut-être un livre enchanté? C'est peut-être un truc qu'il faut ensorceler, mon cher Fanta. Oh là, il y a une carotte dans ce... Oui, lui, il vole, regarde. J'ai un squelette volant. Ah oui, effectivement. Déglingue-le, déglingue-le. Ce qu'il y a, c'est que je suis coincé. Ah merde, j'arrive. Voilà. Ok. Te voilà libre. Bah putain, ils font quand même un sacré bordel, les zombards par ici. Suis-moi, Fanta, j'ai trouvé un coffre avec plein de loot. Attends. Rétro-encabulator. Il y a un truc ici. Qu'est-ce que... Rétro-encabulator? Y'a de la bouffe! Ça crée de la bouffe au pif! Très intéressant. C'est formidable! C'est sympa. Ah bon, je suis abasourdi, je profite, l'ambiance est bien, là on est présent. Je récupère du pain, je récupère de la bouffe. Bon, on peut le calmer 5 secondes, voilà, parce que ça, c'est absolument... Ah, 4 diamants, j'ai tout pris. Enfin. Émeraude. Des pas émeraudes, très bien. Dans le coffre, ok, qui on était continue là. À monter ou pas? Impeccable. Oui, attends, suis-moi d'abord, j'avais trouvé un coffre. J'ai trouvé un coffre, mon cher enfant. Oh, regarde à travers cette vitre aussi là. C'est piégé ou. T'as trouvé un coffre. Enfin, c'est pas un coffre, mais ça, c'est piégé ou bien? Bon, non. Bah, c'est pas piégé, très bien. À ton avis, la potion fait quoi? Shield. Oh! Potion de shield. Potion de bouclier? Alors, je vais balancer un truc inutile, du genre ça. Absorption, 1 minute 40. Très bien, bon bah écoute, c'est pas mal, hein, pourquoi pas. Ça absorbe les dommages à ta place, ça peut être utile. Progressons. Du coup, attends, avançons. Il y a encore un étage. Monte. Montons, mon cher Fanta. Oui. Un étage. Ainsi qu'une tour. Qui sert à rien, la tour qui sert à rien. Ah, et en dessous, il y a des trucs. Ouais, tu crois qu'on peut... Ah si, regarde, il y a une échelle, là. On peut descendre. Dis donc, ils sont nombreux. Arrière, bande d'hérétiques! Oh, ils sont nombreux, mais ils sont faibles. T'as vu, ça c'est plutôt bien géré. Ça c'est plutôt bien géré. Parce qu'on est fort, nous. Mais oui. Ça gère. Et là-dedans. Oh putain, il y a un level 7. Un coffre gigantesque. À l'intérieur de ce coffre, il y a une potion de régénération, du pain, des flèches et des torches. Attends, parce qu'il y a du level 7 aussi, Bob. Moi je vais crever. Recule, je m'en charge. Arrière! Super, j'ai le shield. Effectivement, un blanc. Bon. Oh putain.
Ah bah j'ai eu le temps de me téléporter. Ah bah blablabla. Alors j'ai eu le temps de me téléporter, mais j'ai eu le temps de me refaire tuer instantanément. On est à poil, mon cher Fanta. Il est temps de reprendre des vêtements dignes de ce nom. Alors, ouais, on va à la maison alors. Ouais, je pense qu'il faudrait s'équiper un tout petit peu avant cette quête. Hein. De toute façon, comme je peux le voir, on n'est pas chaud. On n'est pas chaud, mon cher Fanta. On se fait déglinguer. Hein. On se fait déglinguer. On exporte. On est au pif. Je suis vraiment à poil. En plus, ouais, complètement. Donc je propose un petit aller-retour et une fois qu'on sera à la maison, si tu sais dans quelle direction ça se trouve. Là-bas. Là-bas, t'es sûr? Là-bas. Ok, ok, belle, belle. De l'autre côté. Très bien, très bien. À travers les plaines. Exactement. Alors, dans tous les cas, effectivement, on se fait déglinguer. Mais c'est pas très grave, c'est pas grave, chers amis. Hein. On y va comme des bourras, juste après, dès qu'on a remis de l'armure digne de ce nom. Parce qu'on en a plein de l'armure, et qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est le fameux hôtel... Ah non, c'est pour améliorer un item qui serait enchantable normalement. Je n'ai rien qui ne serait enchantable normalement, moi non plus, ouais, donc... tant pis. En plus, la dernière fois, la grosse fée qui, avec l'accent allemand, nous a bien baisé la gueule, donc on va pas se faire avoir une deuxième fois, mon cher enfant. Et on va se dépêcher de retourner à la maison, de ranger le matos de 2 minutes, hein, de se poser au calme, au KLM. Hein. Comme les Kaira. C'est ça. Quoi, c'est les Kaira qui disent au KLM? J'en sais. Je pensais que c'était les Kikou. Putain. Oh là là, il y en a qui vont mettre des pouces rouges. Et ça, les Kaira en fait c'est OKLR. Pourquoi? Bah parce que c'est pareil, c'est avec un M mais c'est un R quoi. Non? Pourquoi R? Parce que Kaira ça s'écrit avec un K. Ah ouais. C'est de l'argot mais c'est de la merde. C'est pour ça. Bon. Alors, dans tous les cas, ici c'est de la merde. Voyons, ta voilà. Blague c'est de la merde. Ça me parle mal et ça range mal les objets. Ah, tout de suite, on est comme ça chez Fantasio. Ah, y a pas de souci, y a que du respect. Alors, voyons voir. Montons à l'étage. Tac, 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 fournaise. Là, y a un disque. Non, c'est pas ce qu'on voulait. Pourquoi? Où est-ce que j'ai rangé les armures dans ce pays de merde? Où est-ce que j'ai rangé les armures? Faut que je pose une lac macrime. Baked potato, du cake, du coquette, du bread. J'ai plein de potions de régénération, alors, cependant. C'est plutôt une bonne c'est chose. En bas, j'ai du protection 4. Moi, je prends tout ce que je peux avoir. Oui, besoin. Oui. Ok. Un vrai futal. Une protection. Il me faut un casque. Qui m'a l'air correct. Mais sans plus. Et les diamond boots, c'est sympa. Si on a du diamant. Si on a du diamant, bah dis donc, j'habite à côté de l'autoroute, je m'en étais pas rendu compte. Hein, tout va bien, tout va bien. Du coup, alors voyons voir, mon casque, protection 4, legendary pants, Valkar, la FFF, c'est que nous avons des choses qui protègent un peu mieux, parce que c'est vrai que Fisherman's Hat... Et là, je ferme la porte, voilà. Pour le bien-être de la vidéo. Iron Disco Pants. Alors, je vais réparer quelque chose, je vais réparer... Mes moon boots. Les moon boots, il répare les moon boots, très bien. Parce que c'est correct. Allez. Hop, Iron sort. Ça coûte pas énormément. Bon, ça coûte quand même pas mal de diams. La pickaxe de bon, pression. C'est quand même mieux que rien. C'est quand même mieux que rien. Et puis, il y a un endroit pour mettre les trucs de merde. Genre ça. Le casque de Robin des Bois, je pourrais mettre ça à la place de mon protection. Et il nous faut 18 Never Star, tu te rends compte, on a quand même du boulot. Ah bah oui, on y bosse, hein, mais on y est, on est en train de poser le matos, au calme, peinard, on est là, on est bien, tout va bien, mon cher Fanta, ah là là, on n'a pas besoin de se presser non plus. Hein. Oui, t'as raison. Oui, c'est pour ça. T'as raison. Et les Enchanted Book, j'ai bien envie, Respiration 3, quoi, Affinity. Alors, c'est un livre d'enchantement, mais pour la plongée. Bon, écoute, je vais le mettre là-dedans, les livres d'enchantement. Et puis, je vais mettre ça ici. Et puis, tu sais quoi? Je vais mettre un petit peu de musique. Parce que on le vaut bing. Oui, tout à fait. Pourquoi on s'embêterait? J'ai un seau de lave. J'aime bien le mettre quelque part où ça ne brûlerait pas, justement. Oh well. C'est pas très important. Pef, 24 torches. Et j'ai un beacon. Je vais mettre... Un beacon fait à base de cochon, c'est ça? Hop. Mais non, mon cher Fanta, regarde. Il est là, il est beau. Bon, il est un peu posé au pif, je suis d'accord. Je vais le mettre à l'étage, je pense. Il est pas activé non plus. Oui, mais on a pas le matos pour l'activer. Ou alors, si on a le matos, j'ai pas fait gaffe, deux, je m'en fous. Comme ça, au moins, ça règle le problème. On pourrait pas le poser sur la maison. On recycle la maison. Ouais, non. Avec les blocs. Ah bah non, c'est du marbre, bah c'est non, pas du fer. T'es sûr? Mais non, c'est pas du fer, c'est du quartz, ouais, je crois. Donc c'est mort, en fait, mon cher Fanta. Mais c'est pas grave. Je mange un coup.
On est prêt, on est beaucoup plus armuré que là, on a vidé les inventaires, on s'est un peu vidé les boules, on s'est dégourdi les jambes, hein, parce que nous aussi on est comme ça, chers amis. Hein. Le vendredi du 8 Alors, mai... Pour vider les boules, ouais, t'as dû faire très vite parce que j'ai pas vu. Non, j'ai fait ça avant de partir, tu penses bien. Oui, nous sommes le vendredi du 8 mai et c'est une vidéo pour le 8 mai, pour vous dire qu'on vous aime. Hein. Ah ouais, comme quoi. Nous on s'est réveillés alors qu'on a fait la bringue toute la veille, moi j'ai fait un stream de la propreté de fou. Propreté. Voilà. Mercredi, on fait le stream de The Witcher 3 sur Gaming Live, enfin bref, c'est... Oui, c'est la folie, ça va être la hype. Ah, c'est la sucette, c'est surtout le fait de pouvoir y tâter, peut-être, je crois, c'est une semaine et demie, deux semaines à l'avance, un truc comme ça. Ah, c'est cool. C'est moche. C'est cool d'être privilégié. C'est moche, oh, hein, c'est le privilège du journalisme, hein, c'est moche, hein. La corruption, c'est moche, la corruption, c'est moche. Mais vous savez quoi, la corruption, c'est cool quand elle est de votre côté, en fait. Donc du coup... Mais dans l'idée, au moins tout le monde va pouvoir voir ce que ça donne pour peu que vous ayez une connexion internet potable. J'imagine qu'ils vont mettre des moyens de fou. Enfin bref, on va. Bon, j'espère qu'ils vont vous filer des machines sur lesquelles ça tourne également. Exactement. Et si vous regardez cette vidéo dans un an et que The Witcher 3 il s'avère que c'était de la merde, eh ben je ne savais pas. Voilà, comme ça au moins. Voilà. Vous le saurez. Il était jeune, il ne savait pas ce qu'il faisait. J'étais fou, j'étais jeune, j'avais la langue qui pendait. Alors, suis-moi mon cher Fanta. En plus, il fait nuit, donc c'est plus intéressant. Alors, un coffre ici. Là, il y a tout le matos que j'avais déjà posé. Nettoyé, pour... Déjà nettoyé. On plus va loin. Reprendre. Non, plus loin. Reviens. Il y a un autre coffre en fait. Celui que je voulais te montrer depuis le début, mais que tu me suivais pas parce que t'étais dissident. Voilà, mon cher Fanta. Ouais, distrait. Dissident. C'est mieux. Distrait. Dissident. Alors déjà, il faut buter ces nabos. Aïe. Ah, tout va bien. Voilà, déjà il a été repoussé, et ensuite, paf, une petite torche, et regarde-moi ce coffre. Voilà, ça paye quand même, hein, ça. Il y a une rentabilité, et Medikit, plus 12 max health, et ben putain. Je te laisse tout ça, j'ai déjà mon inventaire moitié plein. D'habitude. Ah, et ici. Hop. Ici, il y a un peu de charbon, bon, je prends au cas où, mais bon, ça servira pas bien, vraiment. Ça fait toujours plaisir, pourquoi pas. Éventuellement pour neutraliser les spawners, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de les détruire. Et ici, est-ce qu'on a accès en bas? Déjà, comment on va pouvoir descendre? Non, c'est par la tour du haut alors. On va y arriver par la tour du haut. Ok. Très bien. Bah, retournons de l'autre côté. Mais c'est juste qu'il y avait un gros coffre ici, on ne l'avait pas exploré. Donc ça me perturbait psychologiquement, mon cher Fanta. Allons-y. Et on a toujours notre squelette volant. Tout à fait. Oui, bah oui, mais c'est fou ça. Et il vole. J'ai touché. Ah, il était à bord d'une chauve-souris, c'est ça en fait. Ah, trop fort. Attends, je vais le chasser, il est de l'autre côté là. Je vais le contourner, Alors, comment je vais arriver à les niquer? Il faudrait les repousser et puis péter le spawner. Un garde. C'est un garde, Fanta. Alors, lui, il est coincé. Ah putain, ils sont tous là. Je vais essayer d'intercepter le spawner le plus vite possible avant de crever. Oui. Bien joué. Oh pardon, j'étais en train de te taper. Non, tout va bien, je le vis bien. Ah merde. Ouf. Ah pardon. C'est pas grave. J'ai l'impression qu'il doit y avoir un autre spawner là parce que c'est la merde. Je vais l'interrompre. Ah. Ok, c'est bon, je suis en bas. On y est. Félicitations. Attends, ils arrivent. Encore? Bah, on les a pas tués en haut, c'est pas possible! Bah, ce que j'ai fait, c'est que je me suis TP moi, comme un lâche! Ah, d'accord! Ah non, j'utilise cette technique ancestrale! Effectivement, ça pop, hein! Les nains de la montagne, ils déconnent pas, hein! Par contre, ils tapent pas très dur, ces nains-là! Mais Dieu qu'ils sont résistants! Est-ce que tu peux bien les retenir 5 secondes le temps que je summon des cubes, quelque chose pour les. Par contre, ce qui va être cool, c'est qu'on va pouvoir s'équiper de leurs armures complètement de shit! C'est bon ça! Apparemment, ça a cessé de popper à l'étage. Ah ouais, parce que j'ai pété tous les spawners. Ouais, tout à fait, je vois ça. Il n'y a pas de CD à l'intérieur. 2 CD de musique, je vais les prendre. Musique 10 et musique disque, Moll et Meloï. Voyons voir. Super. C'est valide, ça marche, je l'ai repris, parce qu'on ne sait jamais quelle utilité on pourrait avoir de ces CD de musique, chers amis. Les fameux disques de musique. Ah, mais combien il lui en faut? J'ai allumé les lumières. Je sais pas ce que ça a fait. Oh, il m'a lâché une armure en diams. Elle est bien abîmée quand même. Ouais, forcément. Et là, il y a un autre levier. Mais attends, juste avant, je vais observer ce que sont les deux livres qui sont là. Le livre du guerrier et le livre de l'archerie.
À mon avis, c'est des trucs Ouais, d'enchantement. Sharpness 5, Fire Aspect 2, Knockback 2, effectivement, c'est pas de la merde. Oh. Effectivement, on va pouvoir se faire des bons équipements grâce à ces tu mets bouquins. ça sur une épée en diam, ça fait tout de suite plaisir. Level 7, il est tombé dans la flotte, et il est tombé dans les profondeurs sombres et Et va inhospitalières. sûrement se noyer, ouais. Exactement, moi j'ai le Waterwalk, donc tu remarques que j'en chie pas du tout. Et je viens d'activer quelque chose et... Ah! Reste en bas, toi. Ouais, attends, il va tomber avec le piège, laisse-le. Et j'ai l'impression qu'on va probablement les suivre parce que le chemin doit être en bas. Ah, c'est sûr? Non? Je ne sais pas. Si, hein. Ouais, probablement. On aurait dû suivre le mouvement de l'eau, tu penses? C'est pas con, allez, on y va. Puis l'eau. On aurait pu les noyer, d'ailleurs. T'es sûr ça se noie, un zomba? Il aurait pas flotté? Pardon, je tape pas de blé. C'est pas grave. Attention. Oh shit, des creepers partout! Oh putain, je me fais agresser par des petits nains vilains! Vilains et méchants! Les creepers, c'est bon. C'est bon, tout va bien, la situation est sous contrôle. Ah fuck! Attends, bah non, bon, pas, bah, pas du la tout. La situation n'est pas du tout sous contrôle. Je suis avec toi. Ah, t'es resté en haut, toi? Non, non, je suis pas resté en haut. J'ai réussi à. Arg! Nine! Voilà! Il y a encore un abo qui te suit. Ouais, un abo de niveau 7. C'est rien, c'est rien. Je vais faire le niveau 3 déjà. Oh là là, il putain, mon c'est pauvre. Rien, mon pauvre, mon pauvre. Aujourd'hui, décidément. C'est un abo qui nous met la misère. C'est ça. Attends, parce que le spawner est pas loin. Toi, va-t'en. Le spawner est pas loin, il faut le neutraliser. Voilà, le nabo s'est arrivé. Tu vas crever, oui! Cool. Il veut pas, hein? Niveau 7, hein, qu'est-ce que tu crois? Ah mince. On voit plus rien! Ah, il m'a eu! Et après, il s'en prend à moi! Ah, je l'ai eu, je t'ai vengé, Bob. C'est juste pas possible de rien y voir dans ce pays de merde. Quel donjon pourri! Alors, c'est bon, nous y sommes. Donc, bonjour, chérie. Ah. Bonjour. Je suis en train de rager, il y a ma chérie qui est juste derrière, ça fait toujours plaisir. Alors, oh, un livre d'enchantement ici présent. Va y avoir. Oh, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, mais il y a une table d'enchantement. Oui, mais. Donc, et en fait, bah, c'est là où on peut mettre les bouquins sur nos arcs éventuellement. Ouais, non, sauf que moi, mon arc c'est de la merde. Attends qu'on ait du diams pour en faire. Enfin, pas du diams, mais attends qu'on ait. Ah, mais c'est pas ici qu'on fait ça? C'est pas ici qu'on fait ça? Non, j'ai l'impression que c'est sur les. Je sais pas, t'as peut-être raison, je n'en sais rien. Non, non, je dis de la merde, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il faut faire ça sur les enclumes. Ouais, ça fait le guide pour bien débuter à Minecraft et tu sais pas ça. Parce que je joue à d'autres jeux, voilà. Petit gamin. On a une vie, on a une vie. Alors attends, mon cher Fanta, par là. Par là, Fanta. Regarde, demi-tour. Regarde, hop. Bien joué, Bob. Mais attends. Là-bas, il y avait des trucs plus intéressants. J'ignore où ça mène. Ça ne mène à rien, Fanta, donc c'est un échec. Oui, ça mène là-haut. Ça mène là-haut. On pouvait descendre par là, à vrai oui, dire. Oui, mais c'était un échec de ma part, tout va bien. Tant. Oui. On y arrive. Parce que t'es trop occupé à jouer à d'autres jeux, comme moi. C'est ça. Ou putain, attends. Et à chercher des excuses devant les viewers qui ont des bonnes raisons de t'insulter. Exactement. Alors, attends. Ah, une porte. Une porte. En quoi c'est incroyable. Je suis passé dans la fontaine. Non, non, mais parce qu'il y a un passage secret. Ah, dans la fontaine, très bien. Attends, je vois plein de coffres en haut, des minecarts. Ok, on explorera ça juste après, dès que j'aurai exploré ta porte sous la fontaine. A priori, il n'y a pas que toi qui veux l'explorer avec moi. Bon, tu l'as vu? C'est bien ça. Alors attends, elle mène où ta porte? Clop. Oula! Oula, 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 il y a du creeper. Il y a de l'araignée, il y a du creep. Attends, laisse pisser. Laisse pisser. Oui, laisse pisser. Laisse pisser. Tout ce nombre de laisse pisser. Allez. Non, attends, c'est bon, j'ai eu un spawner sur deux. Faites que ça pète pas. Ah, il y en a deux. Ah, ça a pété les coffres. Ouais. Non, ils ont pété là, les coffres. Le spawner s'est réglé. Pas grave. Ils ont pété les coffres. Qu'est-ce qu'il y avait dans les coffres? Ah, ils ont pété un coffre sur deux. Bon. Il y avait un levier derrière là. Je sais pas ce que j'ai activé, mais. Ah, j'ai activé un autre passage secret. Des mushrooms.
Et des mushrooms rouges de l'autre camp de gauche. D'accord, donc c'était le l'épée du poisson clown. Ok, ok, ça bute les araignées. Une taille pour tous les frapper. Knockback 2. Non, mais elle est hyper puissante. Ouais, mais elle est en or surtout, donc elle va s'épuiser extrêmement vite. Donc prends-la. Ça. Hop. Bon, en attendant, je récupère les carottes et victoire. Nous avons donc récupéré une épée maudite et une épée enchantée. Voilà qui fait toujours plaisir. Alors, du coup, progressons dans nos aventures au pif, mon cher Fanta. Oui. Oui, pardon. Sur coup, j'ai cru que j'étais déco parce que je t'entendais plus. T'étais concentré, t'étais en mode. Non, aujourd'hui j'ai une petite forme, donc je me laisse porter par l'action. Tu fais bien. C'était la gestion d'inventaire. Où est-ce que ça mène si je monte tout en haut de cette flotte? En haut. Par contre, là, il y a un coffre que j'ai bien envie d'aller fouiller. Je t'en prie. Moi, je vais explorer. Il y a une TNT. À tous les coups, c'est une trappe. Ah, c'est un piège. Il y a une TNT. Alors, tu sais comment je vais faire ça? Je vais essayer d'y accéder. Je vois qu'il y a une TNT sous ce coffre. Je vais poser ça là. Hop, tadin, je suis arrivé tout en haut, mon cher Fanta, et il n'y a absolument rien. Bien sûr. Because you know. Ça me ferait trop plaisir s'il y avait quoi que ce soit. Ok, c'était bien un piège. Très bien joué. Ici, c'en est pas un, du bois et du charbon, là-bas de l'eau. C'était peut-être pas un piège, mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce coffre finalement? De la TNT en dessous, c'est tout. Ouais, mais il y a de la TNT dedans en plus. Ah oui, je l'ai pas prise. Bah moi j'ai pris. Et là il y a plein de coffres. Moi je suis en haut. Ah putain, une araignée. Alors il y a plein de coffres, mais dans ces coffres, mon cher Fanta, se trouvent des minecarts. Exactement. Oui. Et il va falloir y aller. Mode Indiana Jones. Ah oh, mon Dieu, ça a l'air foireux. Je vais être sincère. Ok, bon bah prenons un minecart chacun et puis. Moi j'ai confiance. J'ai confiance dans cette map. Ouais. Bon. Allez. Oh shit! Tir de missile à l'arrivée! C'est génial! Tu crois que c'est en arrivée? J'essaie de les arrêter! Non mais c'est la fête! Attends, laisse tomber. Trop fort. Ok, j'ai réussi à en sauver la moitié à peu près. Alors ici, il y a un héliport. Je sais pas à quoi ça sert. En même temps. L'emplacement était marqué d'un X au cas où je creuse en dessous, on sait jamais. Tu fais bien. Si le gars a ce genre de référence ou pas. Là, tu as un bouton. Un bouton, tout à fait. Comme j'ai pu en regarder, je jetais surtout des choses à la flotte qui ne servaient plus à rien, mais le bouton. T'appuies pas? Qu'est-ce que. Ah, c'est un canon! Ah, mais c'est trop cool! Ah, tu viens de foutre le feu au bateau! Wouah! Mais c'est génial! Félicitations, juste pour rigoler! Tu viens juste d'assassiner deux pauvres pêcheurs. Bon, écoute, de toute façon, ça leur apprend un peu le respect. Alors, juste avant, j'ai donc réussi à sauver 4 catégories. Ah, regarde là-bas! Bien joué! Tire, feu, j'imagine. Mais c'est génial! Enchaîne les tirs! C'est bon, tu as eu! Impeccable. C'est génial. J'espère juste qu'il n'y avait rien à voir. Là, il y a un spawner à squelette. On va le nettoyer. Très bien. Ici, j'imagine que c'est d'autres canons. Là, une épée et un arc classique. Parfait. On va pouvoir les enchanter. Oui. Ah, Iron Sword et un arc classique. Très bien. Bah écoute. Chacun le sien, comme ça. Ouais, attends, il faut tirer sur les bateaux en l'air là. Feu. Tu crois? Je ne sais pas. Ça fait quoi ces boutons? Attends, je vais monter, je vais te dire. Vas-y, clic power. L'un et l'autre. Ça ne fait rien, ils sont attachés à rien du tout en fait, mon cher Fanta. Ouais, c'est pas grave. Ils sont attachés à Kupwick pour l'instant, donc tant pis. Par contre, il y a des catacombes. Ouais, il y a une descente de grosses catacombes qui mènent très très loin. Juste avant, je regarde juste un peu l'héliport et la zone parce que je suis sûr que là, il y a rien du tout. C'est un bunker nazi. Ouais, X marks the spot, tu as raison.
Là, il y a un autre truc ici. Encore un bunker nazi, écoute très très bien, avec deux rochers un peu bizarres au sol. Voyons voir là. Non, ça c'est des petites fortifications. T'appuies sur le bouton, ça tire? Non, ça tire pas. Oui, non, ça n'a pas tiré. Très bien. Et là, il y a Ah, un encore coffre. un Un coffre coffre et des avec une arcs. potion d'armure, très bien, et deux arcs. Il y a un truc qui vient de pop là. Où ça, où ça? Effectivement. Un blaze. Un blaze. Que fout un blaze ici? Très bien. En plus, il nous donne son bâton. Bah écoute, très bien. Ça, t'aimes bien les bâtons, Non, toi. Hein? oui, je suis Ok, d'accord, moi voilà. j'aime bien les bâtons. C'est juste que là, il y a un blaze qui a popé, out of fucking nowhere. Nous n'aurons jamais donc l'explication à ce sujet. Ce n'est pas très grave. Dans tous les cas, mon cher Fanta, Where monte is à les l'étage. catacombes? Ah, c'est à Où l'étage. sont les À l'étage, à catacombes? l'étage. Hop, on descend là. Et tu vas voir que ça va catacomber grave, en fait. À l'assaut! Bah, si t'allumes en plus. Allez, hop. C'est quoi ça en face? Ça a l'air bizarre. Ah, ça c'est Il y a une comme. illusion d'optique, trop fort! Qu'est-ce que. C'est une. C'est un poster! C'est un tableau d'une forme d'une illusion d'optique, c'est trop Oh, c'est trop fort! bien foutu! C'est trop bien foutu. Ah non, c'est une map! Ce sont quatre maps collées les unes aux autres. On a pu le voir à cause de l'enfoiré de l'archer volant là. Tout à fait, mais ça rend trop bien quoi. Attention, y a un levier ici. Attends, là il y a de l'or! J'ai activé le levier, je sais pas ce que ça a fait. Genre... Ah, ça a ouvert le chemin! Très bien. Alors attends, juste avant mon cher Fanta, là il y a deux émeraudes et un Medipack. Je vais le prendre, mes Medipack. Hop. Je vérifie tout ce que je Ah, je suis désolé, moi je suis à fond là dans l'histoire là. Ah oui, mais tu peux, hein. Il y a eu un Il me passage donne du secret qui vient rêve de là. s'ouvrir, moi j'ai compris, il n'y a pas de problème. Et alors regarde à droite, en plus, t'as un super vitrail. D'ailleurs, est-ce que ce sera pour une énigme future? Putain, est-ce que tu vois le levier là-bas, mon cher Fanta? Ouais, tu crois qu'on peut l'atteindre? Non. Pas encore. La flèche. Pas. Une flèche pour aller atteindre là-dessus? Non, ça sera éventuellement un bouton, peut-être? Ouais, je sais. Mais je sais, on ne sait jamais. Il y a des pots sur le côté. Tu crois que du platforming Non, c'est trop risqué. Bon, cela dit qu'on peut poser tout ce qu'on veut, Par hein. contre, attention, la fanta, il y a un piège, regarde. Oui, a priori, il l'a activé quand on est arrivé. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Je ne sais pas. Il n'y a plus rien maintenant. Donc ça devait être un faux piège. Là, il y a encore des escaliers sur le côté. Oui, On peut avec de voir l'eau. le côté de la forteresse. Très bien, pas de souci. Et ici, on a accès encore à des escaliers. Qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord à On a l'extérieur accès de la aux muraille. On catacombes. va aller faire le passage secret et ensuite on va retourner. Faisons le passage secret, je suis d'accord, allons-y. Explorons, explorons, Parce qu'en explorons. plus, il n'y a pas grand-chose, donc Hop, je check la nettoyer. map. Oh, crépillax, bane of arthropode et... Ah, c'est pour toi Une ça. hache toute pourrie. Bon, crapillac. Elle n'est pas pourrie, Ah bah, elle n'est pas c'est son pourrie. terme, c'est le nom. Oui, c'est son nom, mais elle est géniale. J'invente rien. Oui, voilà, tout à fait. J'invente rien. C'est hache de merde. C'est pour ça. Alors, du coup, Ordiams, quoi. c'est ça. Voyons voir. Des zombards, attention à pas te faire repousser. Aïe! Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Je n'ai rien. Je vais sans doute Moi, retrouver mon. je vais les envoyer, si possible, dans la lave. Ouais, c'est bon. Ah, t'es déjà descendu? Ouais, non, mais je sais pas que je suis déjà descendu, c'est que je suis tombé en fait. Bah pareil. Et du coup, c'est vrai que c'est problématique parce que j'aimerais savoir comment faire Alors pour moi je suis rentrer. désolé Bob, j'ai pas envie de crouler sous les ennemis donc je commence direct par neutraliser ces Tu enfoirés. fais bien, tu fais bien. Mais tu es descendu par où? Par l'escalier là? Ouais je Ah! suis dans le coin sombre Très bien, très bien, et très je bien. me suis fait prendre en catfight Ils sont par ce où? vilain dwarf. Allez non, oui ça y est. Bien joué. Il y a un piège en plus. 53 Très flèches, je les bien. récupère toutes. Ok, moi j'ai envie d'ouvrir le coffre. Oh, pantalon de clown. Et il a l'air vachement bien. Putain, c'est le même que l'épée en fait. C'est le même que l'épée, mon cher Fanta. Hop! Alors, je vais balancer des trucs que j'aurais pas l'utilité pour le moment. Impeccable! Eh ben, des pommes, alors Clown Pants, effectivement. Ah ouais, par contre, il donne pas de. Il ne te donne pas. This is no joke. Il ne te donne pas de comment ça s'appelle? D'armure à proprement parler, en fait. T'as pas de Ok. protection. C'est la protection contre tout, sauf les dégâts au cac. Donc, faut faire attention avec. Tu le prends, tu le prends pas? Non, je m'en contrefous. Quoique, si, en Et ben fait. moi j'ai même mon pantalon de clown D'accord, et vas-y, vas-y. fuck you. Vas-y, vas-y. Oh putain, mais j'ai récupéré du matos de nain, en fait.
C'est surpuissant le matos de nain. Protection 5. Attends, il y a les voisins qui ont décidé de faire un discours sur ma fenêtre. Je vais fermer l'autre fenêtre. Ah, on l'entend pas, mais je t'en prie. Décidément, chez. Bon, bah, ok, si on l'entend pas, voilà. C'est bon. Décidément, chez Fanta, la vie est animée, chers amis. Voilà. Ah, oui, oui, oui. Ah. Alors, par ici. Ok, on y retourne. Donc, ouais, par là. Donc, qu'est-ce que tu trouves comme chemin ensuite? À part. Ouais, j'aurais dit par ici. À part de sautiller gaiement sur la route de notre propre destruction, mais. Ouais. Attention, j'allume la lumière. Hop. Je détruis ça. À mon avis, c'est une. Voilà. Wait. C'est une énigme, peut-être, mon cher Fanta. Il y a une vache ici. Je sais pas ce qu'elle fout là, la pauvre. Qu'une idée, le travail à la chute, putain peut-être. Lava monster. Eh ben, recule. Recule, recule. Pourquoi? Tu veux pas que je détruise le spawner? Oui, non, mais peut-être. Oui, t'as raison, Marc. Hop, faisons ça. Tu voulais en battre plus, hein? Tu voulais qu'il y ait plus de spectacle? Non, pas du tout, pas du tout. Je voulais juste qu'on stratégise un tout petit peu, parce qu'il y avait plein de lave par terre, donc je me disais que c'était un bon moyen de... Oh, très très riche ce coffre. Je prends tout, hein. Diams. Ah ouais, à voir. Des diams, des steaks, j'ai de la place pour les steaks, des flèches, je commence à en avoir 4 stacks, donc il va falloir chercher. Un métis, c'est toujours ça qui est bon. Et enfin, j'entends beaucoup de ces... J'entends beaucoup de slime. Sans doute des slimes infernaux. Oui, tout à fait. Et je me demande où on va repartir, hein. Le chemin devrait nous guider de lui-même moi, au bon endroit. Je cherche un comment ça s'appelle, un levier ou... Il y a un nain qui me poursuit. Deux nains qui me poursuivent. Voilà, pour qu'on y voie quelque chose. À travers ça, il y a quoi, là? Il y a rien, là? Non, il y a rien. Ah, un spawner. Un spawner anabo. Voilà, hop. Là. Ah, une salle des coffres. Oh putain, il faut que tu vois ça. Où ça, où ça? Là, par là? En haut. Il y a des squelettes sur des slimes. Oh shit! Bien joué, tu l'as envoyé dans la lave, ça lui apprendra le respect. Oh, effectivement, ça va être le merdier. C'est parti, go! Bon, je commence par les slimes, hein. Ça y sera. Non, les squelettes! Simple. Ah ouais? Bah, c'est eux qui nous font du dégât, les slimes en eux-mêmes. Alors attends, parce que moi j'ai pas trop. Oh, il me prend un sandwich là. Ah, retraite. Ouais, t'as raison. Retraite, retraite, on a plein de potions pour gérer ces enfoirés. C'est une retraite stratégique, mon cher. Ok, je suis en train de voler. Heureusement, j'ai mis mon pantalon de clown. Exactement. Très bien. Petite retraite stratégique. Ok, alors, dans l'ordre. Déjà, prends-toi un medkit. Ça devrait te donner plus de vie. Ensuite, prends-toi un shield. Ouch. Excuse-moi. Ils nous suivent. Ils nous suivent, ouais, j'ai vu. Ils nous suivent, mais ils sont deux à nous suivre aussi, donc ça. Alors, medkit, j'en ai pas en fait. Mais j'ai un boost. Boost, ça te va? Je viens de te donner l'elf boost. Ça s'appelle medkit. Bois-le. Je suis full. Non, ça te augmente ta vie max. Je suis full en inventaire, si vous voulez. Ah, d'accord. Alors, attends. Hop, tiens, plus 12. Absorption level 3 pour plus d'armure. Et une splash potion en régénération. Tu bois tout? Alors, j'ai le medkit. J'ai pas eu la régénération, j'ai pas eu les deux dernières, je sais pas où elles sont. Alors attends, tu as la shield absorption, ça ressemble à une bouteille d'eau. Enfin, une bouteille d'eau classique, quoi, bleue. Iron skin, ok. C'est ça. Ouais, okay. Très bien. D'accord. Les deux medkits. Et régénération, c'est toi qui l'as. C'est moi qui l'ai, mais c'est un splash, donc je vais te la mettre sur la tronche dès que t'es prêt à les bastonner. Allez, je bois le reste. Vas-y, bois. Attention, creeper derrière toi. Bois tout. Oh shit! Le Thunder Creeper qui fait mal. C'est pas grave. Alors, je bois tout. Ça révèle un peu de la redstone qui est en dessous. Allez. Vas-y, Bob. Ok. Voilà. Allez, à l'attaque. À l'attaque. Les petits enfoirés. Laisse-moi juste boire ça. Et j'arrive. Très bien. Avec la potion de régénération, en plus, ça va jouer. Il n'y a plus personne. Ils ont tous des pops. Bah non, ils n'ont pas tous des pops. Il y a 4 points de spawn. Ça va partir en sucette bien assez vite, crois-moi. Alors.
Alors, j'essaye de détruire ça le mieux possible. Ok, Donc tu les tapes. C'est bon, j'ai. Fuck you. Ah non. Non, tu l'as enlevé. Attends. Ah putain, tu essayes de la remettre de la TNT, d'accord. Tu essaies de tout faire péter dans ce pays de merde. Pays de merde. Bam. Voilà. Ça, c'est du sport. GG, Lennon. Victoire. La puissance d'un homme. Bien. Éliminons ce qui reste. Il y a lui, là. Blood Skeleton. Se fait défonce. Enfin. Un minimum de stratégie aura gagné la journée. Phew. Eh ben putain. Quand même, c'était pas gagné, hein, chers amis. Et j'ai gagné une autre potion d'Iron Skin. Je ne vais pas me plaindre. Il reste encore un slime qui volette gaiement derrière toi. Voilà, qui est mort dans l'atroce souffrance. On pose encore un truc ici. Et très bien. Voilà, nous y sommes. Le fameux donjon. Ok. Ça mène où, ça? Attends, t'es sûr que t'entends pas les voisins? Si, hein. J'en sais rien du tout. Attention. J'ai appuyé sur un passage. J'ai vu et ça a ouvert un autre passage secret sur la gauche, si tu arrives à remonter. Alors attention, il y a un coffre et je vais faire une petite ellipse pour... Relinane. Remonte, t'as ouvert un passage du coup. Ouais, mais j'ai accès au coffre et avec le haut du clown. Oh, bien joué. En fait, c'est la récompense finale, j'ai un Overstar aussi. Ah, bien joué alors. Emeraude. Le clown coat, moi j'en veux, je prends. Et je vais poser les trucs relativement inutiles, tels que ça, ça. J'ai aussi la bannière pour la fin de l'aventure. Et c'est une mission réussie avec succès. Je t'invite à regarder à quel point je suis doré et fantastique et magnifique. Oh, t'es tellement sublime. Alors attends, juste avant de partir, il reste un dernier endroit à explorer. Si tu survis de ta douche de lave, parce qu'apparemment c'est ton c'est mon pantalon de clown a bien souffert aussi. Hein. Tout à fait. Je me déplace tellement vite dans la flotte grâce à mes bottes, c'est toujours pratique. Hop. Oui. Tout à fait, par là, et juste là, regarde. Oh, ici, le truc optionnel à tous passage, les coups, ouais. Je ne sais pas, mais il y a juste un coffre avec un bébé slime qui est mort. Oh, ouais. Les pantalons, les pieds de clown, j'ai l'intégrale. Ben voilà. Tada. Il te manque plus que le casque. Non, c'est pas moi qui ai le casque. Le casque de clown Il a été détruit, le casque. Oh... Ah écoute, on s'en est pris plein la gueule. Aïe, aïe. Tu peux remonter par l'échelle, je pense. Attends, je regarde s'il n'y avait pas un autre chemin. Non, c'est par l'échelle, oui. Tu viens d'ouvrir un passage par l'échelle et ça active de la flotte. Et oh, ça nous fait sortir directement avec un bateau pour la fuite. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Si tout ceci n'est pas délicieusement organisé, mon cher génial Fanta. Attends. Voilà. Impeccable, la fuite mon cher Fanta. Et ben voilà, impeccable, après cette forteresse à la con, le Lennon et le Fanta s'enfuient vers d'autres horizons, pour l'instant en plein milieu de la nuit, j'allais dire vers des levées de soleil ou des soleils couchants, mais le soleil est déjà couché donc ça ne fonctionne pas, pour rentrer à la maison après une victoire et encore une super exploration d'une forteresse par la Fanta Bob Force. Ça fait toujours plaisir mon cher Fanta. Oui. Du coup, rentrons vite à la maison avec nos petits bâtards, sans aucune forme de pitié, pour poser la bannière, et on leur montrera ça sans doute dans le prochain épisode. Hop. Bis les amis, et merci de nous avoir suivis. Et j'ai envie même pas mal. Et oui. Et joyeux 8 mai au fait. Oui, ça se dit joyeux. Non, tout le monde s'en fout. Bah si, ouais. Attends, c'est important quand même. Mais ouais, enfin, on travaille pas. L'idée est importante. Mais est-ce qu'on le souhaite? On le souhaite pas. Non, on le souhaite pas. Bonne fin de la guerre. Wouh, trop bien. Oui, bah, il me semble que ça. Je pense que nos grands-parents devaient être plutôt contents, mais ils sont plus là. Oui, pour, j'entends. Hein. J'entends. Mais même nous, dans l'idée. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'absolu, c'est pas un truc que tu souhaites, quoi. Non. C'est pas Noël ou. Non. On se barre. Joyeux 8 mai à tout le monde. Rien à foutre, c'est pour ça. Wouh, la hype, trop bien. C'est ça qui est bon. Allez, bisous à tous. Zou. Bisous.